super perspective. Ouais, je veux dire, ok, c'est bien beau, travail endurance, la centième, bravo. Mais qu'est-ce que c'était au départ? Qu'est-ce que c'était que ce magazine? C'était un magazine dédié au raid, au vrai sport, au sport de couillu, hein? Et pas au gars, oh ouais, j'ai des bas de contention, ça y est, je vais courir, c'est plus facile, hein? Eh bien, pourquoi? Pourquoi raid, travail endurance s'est dévoyé? D'ailleurs, pourquoi on l'appelle pas raid endurance? Parce que l'endurance, la vraie, c'est le raid, c'est quand tu fais du VTT pendant plus de 4 heures et que derrière, t'as les quadris explosés et que tu repars en courant et que t'as fait du canoë et que t'as plus d'épaule, mais néanmoins, faut te hisser aux branches parce que c'est ça, il y a de la course d'orientation. Alors tout est balisé dans le trail, tout est balisé, hein? Nous, est-ce que c'est balisé? Non, c'est nous qui décidons comme des hommes perdus dans la nature. Alors, trail endurance, je veux bien, au début c'était du raid, et maintenant avec ça, et pourquoi? Et pourquoi? Mais parce que ça se vend, voilà, pour le pognon. Bravo, bravo, trail endurance. Bonjour les trailers. C'était une petite annonce de Marie-Sophie. J'habite au col de la Chevrette, au 110e kilomètre du trail que vous allez prendre demain. Et voilà, je vous invite à faire une petite pause chez moi, le temps qu'il faudra pour vous ressourcer. Une petite pause, les trailers, ça fait du bien au cœur. Bonsoir, je voulais remercier tous les coureurs qui ont bien voulu s'inscrire à ma course. Hein, c'est toute une équipe, une organisation, alors merci à tous, ça fait énormément de potentialités pour développer la suite. Hein. Des courses, on les aime, on va en faire d'autres. Hein. Ouais, maman. Ouais. Ouais, c'est moi. Hein? Ah ben là, ça va là? Ouais, je suis en train de faire un trail. Ouais, une compète. Ah bon, non, je suis pas tout seul, il y a du monde. Hein? Ah ben c'est... Parce que pour l'amour de la nature, on est bien, tu verrais ça. Il y a un silence là, tu verrais ça, on n'entend que les vaches. Ouais, je te jure, pardon. Ouais. Hein? C'est bientôt l'hiver et. Et on va me délaisser. C'est bientôt l'hiver et. Je ne me ferai plus sucer. Un trail aujourd'hui, un trail comme on en a fait aujourd'hui, ben. C'est avant tout énormément de petits tracas, de petits problèmes. Mais au final, c'est une joie. Hein. Vous étiez plus de 3000 à prendre la course. 3000 fois 180 euros. Quand même. Ah ben ouais. Ben c'est le besoin de retrouver l'état naturel, tu vois. De couper les ponts, c'est pour ça. Je me sens bien depuis que je suis là. Et tout le monde, hein, ça va les gars, on est bien. Hein, ouais, oh là. Hein? L'état de nature, ah ben, tu peux pas imaginer, c'est aujourd'hui la technologie moderne. On est toujours à courir, à devoir donner, rendre des comptes. Ben là, tu vois, là, il n'y a que nous, il n'y a que les champs, il y a la rivière. Hop là, je viens de sauter un ruisseau. Je te jure, attends, je te le prends en photo. Bon anniversaire, Trial Endurance. Moi, j'ai rien à dire, sinon qu'il faudrait qu'il y ait un peu plus de photos de motos et d'essais moto dedans. C'est tout. Alors, ceux qui n'ont pas pu venir ne seront pas remboursés parce qu'évidemment, vous savez, on a des frais. Trail Endurance m'a tout pris. Mes hobbies, comme le bowling ou la pétanque. Ma femme. Je ne touche plus ma femme depuis plus de 3 ans. Lorsque je me suis mis au trail, avec les programmes d'endurance. 4000 coureurs, 4000 fois 150 euros. C'est des programmes impossibles à tenir. Quand on a une vie, un métier, des passions, des enfants. Mes enfants, je ne sais plus à quoi ils ressemblent. Par contre, ça marche. J'ai fini. J'ai fini en 44h38. C'est pas mal. C'est pas mal après 50 sacrifices.
Bah, je voulais dire un petit coucou à Momo, GG, Lulu et Caco, qui étaient avec moi sur les Templiers et puis sur le Grand Raid des Pyrénées, parce que nous, on est avant tout une bande de potes. Donc, salut GG, Momo, Cucu, Coco, Gaga. Nous, on est là, on était ensemble du début à la fin. Jusqu'à 3 km de la fin, on était ensemble, parce que c'est ça l'esprit trail pour nous. Bonjour. Jean-Marie Grandjean, directeur des produits Foufou New. Je voulais dire un grand merci à Trail Endurance Mag, parce que grâce à lui, on a pu recommencer à écouler des stocks de produits pour le petit déjeuner et pour les repas qu'on ne vendait pas par manque de goût. Hein. Et c'est sur une idée un petit peu originale liée au monde du sport qu'on s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de revendre toutes nos stocks. Alors, ce qui fait que notre vieux 4 quarts au chocolat, aux arômes de beurre, est devenu comme ça, sur une idée de com, gâteau. Et alors là, ça se vend comme des petits pains, si je peux dire. C'est être ensemble, c'est faire la fête, c'est s'arrêter au ravito et puis boire un petit coup de gnôle. Et puis jusqu'au bout, jusqu'à 3 km de la fin, parce qu'après, fallait bien savoir qui c'est que t'as le meilleur. Et tous nos produits aussi, hein, le produit pour pisser plus loin, pisse plus. Jean-Pierre a commencé le trail il y a 2 ans. Une lubie, il s'est abonné à Trail Endurance, il a eu un bœuf gratuit, il était content. Et puis, il n'a eu de cesse de s'entraîner, tous les jours, pas une journée de pause. 8 trails par été, on ne partait plus en vacances. Et le soir, Jean-Pierre est extrêmement fatigué. Et le matin, il se lève très tôt, donc il dort. Toute la semaine, il dort. Et même le dimanche, alors qu'on pourrait un peu faire la sieste, il dort. Voilà. Alors, maintenant que Jean-Pierre fait du trail et oublie de me baiser, eh bien, je le dis à ceux qui ne seraient pas trailers qu'ils doivent rester dans le monde. Hein, des hommes qui ne sont pas trailers, des gros porcs qui suent, qui ne font jamais de sport. J'en veux à moi un gros dégueulasse, un gros porc qui n'ira pas courir, non, qui passera son week-end à me baiser. J'ai testé pour vous l'ultra contention, chaussette de contention, cuissard de contention, manchon de contention. Bon, messieurs, il me faut quelque chose. Du sang, de la barbaque, des putes, des cadavres. Je veux que ça gicle. Je veux qu'on en prenne plein la gueule pour le numéro 100. Eh oui, une bonne publication, c'est avant tout un numéro qui attire l'œil dans le rayonnage. Et là, les gars, ça fait 100 numéros que qu'est-ce que vous me pendez? Un mec qui court dans la montagne. Oui, j'entends, c'est normal, ça parle d'endurance trail. Rien à foutre. Moi, je veux quelque chose. Un ovni, je ne sais pas, par exemple, un cheval blanc qui courrait sur un nuage. Vous me peignez un nuage, vous voyez, comme ça, symbole de liberté, symbole d'évasion. Hein, un nuage blanc et nu sur le cheval blanc, Émilie Lecomte. Y a moyen? Avant, j'étais trailer, mais ça, c'était avant.